Bonjour à toutes et tous, Papy vous retrouve aujourd'hui avec plaisir. Alors voilà de quoi on va traiter, vous l'avez vu dans le titre, pas de suspense. Il y a Fallout 76, la bêta, lui le jeu sort le 14 novembre. La bêta sur One doit être du 23 au 30 octobre, et du 30 octobre au 11 novembre, je pense. Vous vérifierez les dates par vous-même, je vous laisse fouiller, sur PS4 et PC. Alors voilà, le jeu, pour participer à la bêta, faut l'avoir précommandé. Alors, donc, moi, je peux vous proposer des clés pour One et pour PS4. Donc, si vous voulez jouer avec moi, que ce soit sur One, la semaine que ça va être sur One, ou sur PS4 à partir du 30, il n'y a pas de problème, on peut jouer en coop à 4. Donc je réserve ça aux abonnés, mais à ceux qui participent, parce que j'en ai 1426 abonnés, je crois j'en ai qu'une vingtaine qui participent assez assidûment à chaque fois dans les commentaires, si je fais des lives, tout ça quoi. Donc ceux-là ils se reconnaîtront, hein, pas besoin de les nommer. Et puis puis ceux qui jouent avec moi sur la One d'habitude quoi, donc tous ceux-là se reconnaîtront, il n'y a pas de liste à créer. Donc les autres, c'est pas la peine de vous abonner dans l'urgence pour dire je vais avoir une clé, hein, parce que vous reviendrez pas. Donc voilà, ceci étant dit, on passe aux choses sérieuses. Alors moi, vous me dites dans les commentaires, oui, je suis prêt à jouer avec toi sur One ou sur PS4 à Fallout 76. C'est en coop, en solo il va pas être drôle, mais en coop ça va être sympa de faire les quêtes en coop. Donc avant que je me perde dans les détails, ouais, il va y avoir des horaires différents par continent. Alors donc, c'est pas une assurance que je puisse jouer avec vous, parce que moi je suis au Canada, comme vous le savez, et on va avoir des horaires par continent. Alors, puis là c'est pas une question de décalage horaire, c'est on pourra pas jouer ensemble quoi, en gros. Mais peut-être que oui. Donc on tente le coup, et moi si je peux pas jouer avec vous, vous trouverez bien quelqu'un avec qui jouer. Donc ceux qui auront eu les clés de ma part, ils pourront jouer ensemble du coup, hein, puisqu'ils se connaissent un peu, s'ils sont habitués à commenter sur ma chaîne, ils se connaissent un peu déjà, voilà, par leur pseudo je veux dire. Donc voilà, on fait ça. Vous me dites dans les commentaires, moi je veux jouer avec toi sur One, ou moi je veux jouer avec toi sur PS4, et pourquoi vous voulez y jouer d'abord, hein. Est-ce que vous vous intéressez vraiment à Fallout, ou si vous jouez qu'à Fortnite, et puis vous vous dites, tiens ça va être du Fortnite, non, c'est pas du Fortnite, donc ça n'a rien à voir, j'aurais même pas dû en parler. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Alors, je vais vous envoyer une clé. Il vous faut un compte Bethesda sur Bethesda.net. Alors, beaucoup qui ont un compte Bethesda. Si tu n'en as pas un compte Bethesda, tu en ouvres un. Hein, tu vas sur ton PC, tu tapes Bethesda.net, tu arrives là-dessus. Moi, j'ai un compte, mais toi, tu en crées un. Une fois qu'il est créé, tu vas là. Bon, le site est en français, mais ça, c'est en anglais. Hein. Bon, c'est comme ça. Tu fais Redeem Code. Oh là, je me mets à parler américain, ça va être travers. Je sais, ils ont la vente libre du cannabis récréatif a commencé hier au Canada. Vous voyez déjà l'effet, là. C'est pas mal. Hein. Alors, vous avez un code. Entrez le code ci-dessous. Vous faites ça, la clé vous la collez, vous faites utiliser, et là vous allez le petit sablier qui va tourner,
vous allez avoir réussite. Et en dessous, un message en anglais, alors que j'ai traduit avec mon ami Google. Nous sommes en très bon terme avec le traducteur Google. Et donc, ça me met que bon, bah, le code est bien validé, il est bien pris en compte, et que je serai prévenu par l'adresse courriel, l'adresse email que j'ai fournie à l'ouverture du compte dans les jours précédant la bêta pour m'indiquer les marches à suivre. Alors, cherchez pas, vous dites pas, bah ouais, mais comment ils savent que c'est PS4 ou One? Avec le code, ils savent si c'est PS4 ou One, et ils vous enverront avant les dates pour que vous puissiez télécharger le jeu, ils vous enverront la marche à suivre suivant la console. Si tu as une PS4 ou si tu as une One, ils savent. Donc ils vont t'indiquer les marches à suivre, et comme moi ça s'est passé pour la One, pour le stress test. J'ai participé au stress test, c'était le samedi dernier, hein, et on était, c'était de ici, alors au Canada, c'était, la bêta c'était que États-Unis et Canada, hein, donc il n'y en avait pas en Europe. États-Unis-Canada, c'était de 17h à 21h, 4h. Et là, c'est pareil, la bêta, ça sera 4h par jour. Ça sera pas toute la journée, hein. Comptez pas vous asseoir devant le matin puis jouer jusqu'au soir, ça va être 4 heures et des heures différentes chaque jour pour que tout le monde puisse y jouer. Voilà, donc pour ne pas trop encombrer les serveurs, je pense, parce que le stress test, les serveurs, ça a eu du mal quand même, pas pour l'accès mais pour les lags et tout. C'était assez infernal, mais ça j'en reparlerai plus tard. Alors voilà, bah vous connaissez la marche à suivre pour obtenir la clé, donc je vais en donner 3 sur One, 3 sur PS4. Bon bah puis je serai peut-être un peu plus large, hein, c'est Noël approche, donc je vais peut-être élargir le nombre de 3 passés à plus. Ok. Eh ben moi, je vous dis participer. Si vous remplissez les conditions, si vous avez regardé les vidéos entières, vous connaissez les conditions à réunir. Voilà, j'arrive à le dire. Ah, ça c'est l'effet du cannabis. Donc, vous me dites tout ça. Et ben moi, partagez, likez, commentez, ne vous abonnez pas pour gagner une clé, c'est pas la peine. Si vous avez bien écouté, vous n'êtes pas concerné. Alors donc, participez, likez, commentez, puis si tu t'abonnes quand même, sache que tu n'auras pas, sans doute pas de clé, mais agite la cloche, tu seras prévenu des événements à venir sur la chaîne, et puis bah puis un petit cadeau à Noël, sans doute. Je ferai sans doute un petit concours à Noël, je ferai le Père Noël, déguisement et tout. Et ben voilà, bah écoutez, moi sur ce, je vous souhaite que du bien, beaucoup de bonheur, la joie, et je vous dis à la prochaine, ciao, bye, et n'abusez pas trop.